Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Inquiétude des Mauriciens, véritable casse-tête pour les agences de voyage après la décision de la France de suspendre ses vols avec Maurice, le pays placé en zone rouge écarlate, coup dur pour certains qui doivent voyager vers l'Hexagone ou l'île de la Réunion. Reportage dans ce journal. Cette décision de considérer Maurice comme un pays où le virus circule activement a été prise par le Conseil des ministres en France. Une décision qui intrigue alors que Maurice maintient qu'il n'y a pas de variant Omicron dans le pays. Des interpellations prévues sous la Public Gathering Act au lendemain de la manifestation de la plateforme citoyenne devant le Parlement en soutien aux radios privées hier. Une enquête pour rassemblement illégal ouverte. À la une également, timide reprise d'activité dans les commerces en ce début du mois de décembre, moins d'affluence dans les magasins contrairement aux années précédentes. À flic en flac, des singes sèment la terreur depuis plusieurs jours. Un problème récurrent en été déplore des habitants exaspérés. Ils sollicitent l'intervention des autorités. Un grand nom de la musique s'en est allé, trompettiste hors norme des années 80-90. Claudio Casimali a tiré sa révérence à l'âge de 79 ans après une longue maladie. La France ferme ses frontières avec Maurice. Les autorités françaises ont placé le pays en zone rouge écarlate, à la grande déception des agences de voyage et pour certains Mauriciens qui doivent voyager vers l'Hexagone ou à l'île de la Réunion. C'est un coup de massue. Ils doivent revoir leur projet en pleine période de fête, marquée par une situation qui tarde à s'améliorer. Christina Nélan. Cette nouvelle vient chambouler tous les plans de l'artiste Mr. Love qui devait se produire à l'île de la Réunion ce week-end. Moi, mon team fini prévoit demain matin. Et mon team fini prévoit mon activité artistique là-bas jusqu'à dimanche. Mais compliqué, il y a à peu près 5 à 6 concerts qui t'y prévoient. Mais tout pour bizarre annulé. Et on est dans une situation quand même assez compliquée parce qu'il y a beaucoup d'engagement, il y en a beaucoup. Voilà, beaucoup de gens qui ne faisaient de réservation, même l'organisation, etc. Il y en a beaucoup de travail derrière. Et du coup, encore une fois, nous retrouvons-nous dans une situation compliquée. C'est très très dur. Dès cette annonce, Soren Chedumbrum, en vacances à Maurice et résident en France, est venu se renseigner au sujet de sa date de retour. Mais là, je suis venu en Kenya pour savoir comment je vais faire pour partir vendredi soir. Ils m'ont dit que je n'ai pas besoin d'un test PCR. Mais j'ai pensé tout de suite à test PCR parce que comme je n'ai pas fait. Ouais, c'est tout. C'est ça, c'est qu'on a besoin là-bas. Là. C'est pas plus que ça. On les vole, c'est programmé pour vendredi, c'est bon. Une décision qui n'est pas sans conséquences pour le secteur. Chez 4 et Tours, on se préparait déjà pour un très bon mois de décembre. Les réservations vont tomber, surtout avec les fêtes de fin d'année. Nous commençons à avoir pas mal de réservations qui tombaient depuis l'ouverture. Et là, malheureusement, avec cette nouvelle, je pense déjà on commence à avoir quelques annulations. Ils ont déjà peur avec ce variant Omicron-là et ça va nous poser beaucoup de problèmes, surtout pour les semaines et les mois à venir. Après cette annonce, il règne un grand flou sur les répercussions de cette mesure prise par les autorités françaises. Il n'y a toujours pas eu de communication de la part des autorités locales. Pour l'Office du tourisme, cette annonce n'aura aucun effet sur les vacanciers venus de France. La France durcit ses restrictions sanitaires avec Maurice. Ainsi, dès aujourd'hui, l'île Maurice est inscrite sur la liste des pays caractérisés par une circulation particulièrement active de l'épidémie de Covid-19. Cette décision a été prise par le gouvernement français, la décision communiquée par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Nous créons une nouvelle catégorie de pays rouge écarlate, s'agissant des pays les plus à risque, notamment avec la présence du variant Omicron. Cette catégorie rouge écarlate intégrera les 7 pays de l'Afrique australe, pour lesquels les vols étaient suspendus depuis vendredi dernier. S'y ajouteront 3 pays,
le Malawi, la Zambie et l'île Maurice. Pour ces pays et pour ces déplacements, un cadre extrêmement strict et drastique est mis en place. En parallèle, un dispositif de contrôle renforcé à l'arrivée à La Réunion et en France a aussi été mis en place. Isolation sous contrôle des autorités, le dit Domaine. Oui, Ruth, Maurice bascule finalement en zone rouge écarlate. Le porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi suite à la réunion du Conseil des ministres. Un nouveau protocole sanitaire a été décidé avec la création d'une nouvelle catégorie de pays rouge écarlate pour les pays les plus à risque. La suspension des liaisons aériennes avec les pays de l'Afrique australe prolongée jusqu'à samedi, a annoncé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français. Et cette catégorie rouge écarlate compte déjà 7 pays et s'y ajoutent 3 autres, le Malawi, la Zambie et l'île Maurice. Et pour ces pays et pour ces déplacements, donc un cadre extrêmement drastique et strict a été mis en place. Un coup dur donc pour le tourisme mauricien puisque des visiteurs français attendus chez nous ces prochains jours ne pourront mettre le cap vers Maurice. Une décision des autorités françaises face à la dégradation de la situation sanitaire. Même dispositif à l'île de la Réunion qui a également durci ses règlements face au danger Omicron. Nous apprenons également que plusieurs réservations ont déjà été annulées, Ruth. Merci Élodie pour toutes ces précisions. Également dans l'actualité, 3 pensionnaires ont sémé la pagaille dans un foyer de la capitale hier. Âgés de 12 et 15 ans, la gérante les accuse d'avoir mis le feu dans le bâtiment et d'avoir séquestré un employé dans la salle de bain et d'avoir endommagé une porte et des chaises, entre autres. Elle avait fait main basse sur 83 bouteilles de whisky pour les revendre sur les réseaux sociaux. Une cleaner de 20 ans a été démasquée. Cette habitante de Pointe-aux-Sables a commis ce vol au préjudice d'une compagnie à Bellevillage où elle travaillait. C'est le manager de l'entreprise qui a découvert le poteau rose. Après avoir vu une annonce sur un site après un inventaire, il a constaté que plusieurs bouteilles de whisky d'une valeur de 150 000 roupies avaient disparu. Soumise à un interrogatoire serré, elle est passée aux aveux hier. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle ce mercredi. Je vous le disais au sommaire, des singes sèment la terreur depuis plusieurs jours à Flic-en-Flac. Selon des témoins, ces animaux sauvages font irruption dans les cours privées et tentent même de pénétrer les maisons. Les animaux se montrent agressifs selon des habitants, à l'instar de Giovanni qui affirme que ce problème est récurrent en été et lance ainsi un appel aux autorités. Moi, quand j'espère au demain, c'est mon pensée. Ce qu'on m'a dit, elle était sur le dos, mais puis des bouts dans ma pied, là, le caca, c'est une coco, ils étaient, quand ils viennent, je me suis blessé. Je rentre tout à l'impôt, là, au côté de ce voisin. Je suis tous à l'impôt, ça fermé, je sais que c'est des bouts de rentrer. Si ça, tu ouvres, je passe en bas, je peux rentrer. Parce que si t'as mon gueule au deuxième étage, je vais monter. Tu sais que des l'état, je te mets là où je peux sauter de l'autre côté voisin, et un voisin à côté, man. Comme un étranger, je vais dormir, la fête ouvert, des fois, mon caca, ça, les mêmes tu vas pas pleurer. Si j'arrive, les tours à la fête, les tours manger, on rentre là-dedans, ça, mais j'ai marré dans ce parce que 3 jours, carré comme ça, y a Je vous retrouve après la pub. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, the perfect match. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteur du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 5300 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. «
Chez Decathlon, fêtons le sport, offrons le sport. Venez profiter de notre sélection de cadeaux pour un Noël encore plus sport, comme par exemple la trottinette Oxelo à 2300 roupies. Bienvenue chez Chennai Jewelries and Saris at your doorstep. Nous spécialisons dans les saris typiques sud de l'Inde et pour tout événement. On a aussi kurti, jutti, clutch et bijoux. Sans oublier, nous avons kurta, vesti, chemise pour hommes. Pas oublier, like et follow nos pages sur Facebook. L'équipe Chennai en place. Depuis 1978, Kalachan Bedding World a pour mission de mieux faire dormir les Mauriciens. C'est avec cette idée que début 2020, la compagnie basée à Grande-Rivière-Nord-Ouest a démarré la fabrication de lits entièrement made in Maurice, en mettant en avant l'expertise et le talent d'une équipe d'artisans locaux cumulant des années d'expérience dans la confection de meubles. Leur design est inspiré des best-sellers européens, combinant qualité et durabilité avec une attention particulière à chaque étape de fabrication. Leur promesse tient en une phrase. We will make you sleep better than ever. Des interpellations prévues sous la Public Gathering Act au lendemain de la manifestation de la plateforme citoyenne devant le Parlement en soutien aux radios privées hier. La police de Popenessi a ouvert une enquête pour rassemblement illégal. Les limiers de la CID et du FIE ont déjà identifié plusieurs personnes présentes chez Adjadou. Selon la Public Gathering Act, chaque rassemblement au-delà de 12 personnes doit impérativement avoir le feu vert du commissaire de police. Les autres clauses stipulent qu'aucun rassemblement n'est autorisé dans la capitale le jour où l'Assemblée nationale se réunit. Dans leur déposition, les déogradés affirment avoir approché l'avocat Rama Valaïden et l'activiste social Ivan Bibi pour le informer et que le rassemblement était illégal. Mais les deux hommes n'auraient pas obéi aux instructions de la police. Il est aussi mentionné que des députés de l'opposition ont également participé à ce rassemblement et certains se sont même adressés à la presse. Des limiers de la CID et ceux du Field Intelligence Office ont eu comme instruction d'identifier tous ceux présents à ce rassemblement. Des vidéos et photos du rassemblement ont d'ailleurs été prises par des policiers et agents civils et des officiers du Scene of Crime Office. Merci Shehzad Jadot pour toutes ces précisions. Le commissaire de police convoqué en Cour suprême demain par la juge Rita Tilloc, vous le savez, l'ONG Smart Citizen, représentée par Dave Senassi, a logé une demande d'injonction en Cour suprême ce mercredi. Il conteste la décision du commissaire de police de lui refuser la tenue d'un rallye de voitures prévu ce vendredi 3 décembre. Rallye avec objectif de protester contre les amendements apportés à l'Independent Broadcasting Authority Act. Ainsi, le commissaire de police doit venir dire pourquoi. Pourquoi l'injonction ne doit pas être émise. Vous comprenez, c'est pour une arrestation à prévoir. Donc, moi aussi, j'invite les Mauriciens à manifester à travers l'île. Je n'ai pas d'invite personne qui me dit parlement. Je me dis, moi, je peux dire parlement. Okay? Donc, j'invite les Mauriciens à manifester à travers l'île, dans n'importe quel village, qui la ville, devant une station de la police, devant un bureau de la poste et autres. Donc, nous guettons, qu'est-ce que vous faites. Une nouvelle voix s'élève pour que les amendements à l'IBA Act ne soient pas promulgués. Il s'agit de celle de Reporters sans frontières qui défend la liberté de la presse et la protection des sources journalistiques. L'organisation internationale demande au président de la République de ne pas promulguer ce texte qui menace l'indépendance du journalisme dans le pays. L'IBA Amendment Bill a été voté sans amendement à l'Assemblée nationale hier.
Le 1er décembre est synonyme du début des préparatifs pour la période des fêtes, des achats qui se succèdent, décorations, jouets ou même matériel pour confection de cartes de vœux. Contrairement aux années précédentes, les Mauriciens préfèrent ne pas attendre les derniers jours pour se précipiter dans les commerces par crainte d'une infection, mais aussi de la présence des variants sur notre sol. Beaucoup évitent d'avoir à se déplacer parmi la foule. Témoignage. La vente diminue beaucoup. Depuis le deuxième confinement, là, ça va être tombé. Dimoun diminue beaucoup de pour lui. Circulation libre. Puis là, Dimoun, bonheur de deuxième autour du monde fini. 4 heures, la case libre. Puis là, Dimoun aussi. C'est même pire que d'un jour normal. Là, c'est un ou deux jours, ça va un peu mieux. Tout le monde est toujours encore dans la crainte et dans. Et pour lui-même, hein, et quasi. Aujourd'hui, que j'ai vu un peu plus d'embouteillage, mais sinon, c'était très vite. Nous avons une limite, comment dire, quand c'est du monde, nous avons mis. Mais nous avons accepté, attendez-vous. Et là, quand nous sommes arrivés là, avec tout ça, nous avons mis tant de là. Mais là, aujourd'hui, le 1er décembre, je pensais, je espérais, comment dire, pour travailler là, pour bizarre là, ok, parce que sinon, nous vous faisons pareil, comment nous dire. Distanciation, mais tout masse bien, nous gardons nos distances. Je vois qu'il y a plein de gens qui ils n'ont pas peur quand même. Il y a les maladies qui sont actuelles en ce moment à travers l'île, partout, mais les gens continuent à faire leur shopping as if like normal. Auparavant, comme si l'année d'avant, pas même l'année dernière parce que c'était confinement et tout, mais il y a moins de gens. Tout à fait autre chose à présent, le rapport de l'ONU SIDA paru à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie pointe qu'en 2020, la pandémie de Covid-19 a pris le devant de la scène, reléguant le dépistage du sida et les traitements au second plan. Les objectifs des Nations Unies de mettre fin au sida en tant que problème pour la santé publique à l'horizon 2030 semblent difficiles à tenir si les conditions ne changent pas. Depuis 40 ans, l'épidémie de sida a tué plus de 36 millions de personnes dans le monde, dont 680 000 en 2020. Si les conditions actuelles ne changent pas, l'OMS annonce 7,7 millions de morts pour la décennie 2020-2030. Il se carburait à la musique, Claudio Cassimali, un nom que les moins de 20 ans ne peuvent pas reconnaître. Ce trompettiste hors pair de 79 ans nous a quittés ce mercredi. Il s'était retiré de la scène musicale depuis quelques années pour cause de maladie. Il a été l'un des premiers Mauriciens à jouer de la flûte de Pan, trompettiste, guitariste et flûtiste. Il était dans les années 80-90 très sollicité pour exécuter les marches nuptiales. Sa famille et ses amis artistes disent avoir perdu un grand connaisseur de la chose musicale. Il aura été membre de l'orchestre de la police et a été le premier à jouer notre hymne national en version trompette avant de s'envoler avec ses amis Yvon-Émile et Gérard Berguicourt en Afrique pour une carrière internationale. Il a été décoré le 12 mars 2018. Ses enfants lui rendent hommage ce soir. Un papa exemplaire, un papa bonheur. Une fait tout pour ce bon enfant, sous femme. Jamais il ne laisse nous, enfin, jamais il abandonne nous. Même s'il travaille tout le temps, il travaille à soir. Il bien travaille pour. Sous famille, voilà. On se fait bien, mais tout le temps, il s'amène du côté de l'île. Il s'amène le tel, on connaît presque beaucoup le tel avec lui. Il n'amène pas partout, hein. C'est un papa exemplaire. Rien à dire. Il a tout fait pour nous, jusqu'à son dernier souffle. Il aime aussi avec lui, mais aujourd'hui, non. Le plus grand souvenir, c'était un grand artiste pour sa trompette et tout. C'est une personne qui était très connue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. Et puis
Plus ou Nouveau Brossier Digital. Top top promo, belle belle seule et joli joli cadeau, Zispou. Depuis ou portable ou tablette ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. En seule l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Le défi Media Group, en collaboration avec Radio Plus, Télé Plus et Accenture, vous propose une émission spéciale au cœur de l'info ce vendredi 3 décembre. 1 Billion Reasons for Disability Inclusions, c'est le thème de cette émission dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Mélanie Duval reçoit un panel d'experts pour faire un tour d'horizon de la situation des personnes en situation de handicap. La formation, l'adaptation et l'employabilité seront également abordées. Nos invités, Sayad Boudon, Director of Legal and Corporate Citizenship Lead chez Accenture, Nira Omir, Chief Employment Officer au ministère du Travail, Sarvej Dosoy, psychologue, et Ali Djoukhan, président de l'ONG U-Link. Rendez-vous ce vendredi 3 décembre à partir de 17h. Émission à suivre sur Radio Plus et sur la page Facebook du Défi Média Group.